Un peu déçu forcément parce que je me suis entraîné. Je me suis bien entraîné, je devais faire ce combat, j'étais très confiant. Et puis il y a un arrêt comme ça, donc c'est un peu déçu, mais c'est comme ça. Hier, vous croyez encore que le match aurait lieu? Bah oui, puisque hier qu'on a eu M. Bernd au téléphone, tout allait bien, donc c'est pour ça qu'on est venu ce matin très tôt. Michel Malmec, ich habe so eine Frage. Im letzten Jahr wurde auch ein Kampf abgesagt. Es war von Wladimir gegen Chisora. Und dann Wladimir versprach ihm, diesen Kampf doch geben. Und dieser Kampf hat nicht stattgefunden. Wie glauben Sie, könnte sowas bei Ihnen passieren, in Ihrem Fall? Ben, si ça arrive, je dirais qu'en fin de compte, si ça vraiment arrive et ce combat est annulé, je dirais vraiment que Wladimir avait plus peur de moi qu'autre chose. Und viele Leute sagten vor diesem Kampf, dass dieser Kampf ein deutlicher Mismatch ist. Was können Sie dagegen sagen? Match, ce match. Qu'est-ce que vous pensez? Que les deux ne collent pas ensemble. Qu'est-ce que vous dites à ce sujet? Les gens, ils ont le droit de s'exprimer, ils ont le droit de parler. Mais bon, après, il reste le résultat, il reste un résultat. Et je pense qu'on doit juger les gens juste après quand ils ont fait le combat et pas avant. Les gens doivent juger les gens juste après quand ils ont fait le combat et pas avant. Fühlen sich wie nehmen die Franzosen diesen Kampf wahr? Gibt es ein großes Interesse in France für diesen Kampf? Ah oui, il y a un fort intérêt en France. Ils ont déjà pas, il y a beaucoup de Français qui ont pris des places. Et qui devait être là, et toute la presse. D'ailleurs, Wladimir est venu à Paris et il a vu la popularité, ce que représentait ce combat. Und könnte es für Sie nicht ein bisschen problematisch sein, dass jetzt dieser Kampf abgesagt ist und dann wieder, weil zum Beispiel vor einer Woche hat Chisora in der Pressekonferenz gesagt, dass infolge der Absagung des damaligen Kampfes hatte irgendwie psychologische Form verloren. Haben Sie keine Angst davor? Non, moi je suis pas chez Jorah, parce qu'après j'ai vu le combat qu'il a fait derrière. Moi je suis là juste pour affronter Klitschko, donc on discutera et puis on verra entre temps si le combat est trop long, qu'est-ce que je ferai en attendant, si je continue à m'entraîner, si je peux faire un combat, après il faut mettre, on va voir. Und sind Sie optimistisch, dass der Kampf gegen Klitschko doch stattfindet? Ben, il n'y a pas de raison, je pense que là vous l'avez tous vu, ce n'est pas moi qui suis malade, moi je suis venu au rendez-vous, j'ai respecté les conditions, donc s'il décide juste d'annuler ce match, c'est qu'il y a un autre problème que sa maladie.